Coucou la team, je vous consente. Alors, on se retrouve encore dans une autre vidéo sur notre charité. Alors, la dame que vous voyez là, ils étaient bloqués à l'hôpital à cause de 15 dollars. Si je me souviens bien, ils parlent de 17 000 à donner. Donc, je ne connais pas vraiment la valeur et tout. Et voilà. Alors, premièrement, avant d'aller dans la vidéo, j'aimerais interpréter pour vous qui parlez français. Et puis, à la fin, vous qui parlez lingala, donc la vidéo sera là pour vous d'écouter et tout. Alors, j'aimerais être clair. Ici, et quand nous balançons les images, c'est pas pour nous faire voir, non. Nous voulons aider aussi les gens, ramener les gens à comprendre une chose, que avec 5 dollars, tu peux aider. Avec 2 dollars, il y a des familles qui souffrent à cause de 2 dollars. Simple, et c'est tout. Donc voilà la raison de nos images. Alors c'est parti. La dame là, elle parle en lingala. Anyway, elle parle en lingala, donc là, on l'a mis à côté, donc on a eu la grâce d'avoir des images. Et elle était bloquée à l'hôpital, donc l'enfant souffre toujours, comme vous voyez là. Elle a des problèmes de santé et tout. Alors, après le traitement, et la famille était bloquée à l'hôpital à cause de 15 dollars. Donc, 15 dollars. Et puis après, par la grâce de Dieu, nous, on est passé. On les a fait sortir. Et donc, c'était 5 familles qui étaient sorties ce jour-là. Alors, ça, c'était pas hier. Hein. J'ai parlé de hier, une autre famille. Et des familles qui sont sorties. Mais ça, c'était avant-hier, I believe, oui. Alors, 5 familles sont sorties. La famille ici, c'était à cause de 15 dollars. Ils étaient bloqués des mois et des mois à l'hôpital. Donc, ils étaient dans l'hôpital et la maman faisait un peu le boulot à côté. Voilà. Alors, la petite ici que vous voyez, c'est une fille qui souffre depuis sa naissance. Depuis sa naissance, elle souffre des maladies intérieures. Elle a la tuberculose. Elle a beaucoup de maladies intérieures et voilà. Alors, la famille même est fatiguée. Ils étaient à l'hôpital et puis ils sont bloqués à cause de 20 dollars à Bilif, si je ne me trompe pas. Et voilà. Donc, elle est là. Elle va parler en lingala. Vous qui suivez lingala. Et je vais laisser pour vous d'écouter. Voilà. Donc, la famille était fatiguée. La famille même demandait la mort pour que la fille laisse la famille tranquille parce qu'ils sont fatigués, ils sont tout le temps à l'hôpital. Alors cette fois-ci, ils étaient bloqués à l'hôpital à cause de 20 dollars. Et donc, des mois et des mois, ils étaient à l'hôpital. Et voilà, donc, il fallait vraiment aider la famille, faire sortir la fille et pour qu'elle puisse retourner à la maison. Et voilà, et donc, c'est ça. Alors, l'image suivante, c'est la fille ici, elle est handicapée, donc elle ne marche pas. Elle a la tuberculose osseuse. Donc voilà. Et elle vient d'une province, donc de Matadi. Et ils sont venus juste pour mettre la plâtre que vous voyez là. Donc tout ce que vous voyez là en blanc, c'est la plâtre qu'on l'a mis. Donc elle ne marche pas, elle est handicapée à cause de la tuberculose osseuse. Et voilà. Donc eux aussi, ils étaient bloqués. Après le traitement, ils étaient bloqués pour qu'ils puissent sortir de l'hôpital, payer le frais. Et puis après, maintenant, ils vont retourner à Matadi, continuer le traitement. Ici, c'est un coin de maladies mentales. Ce sont les filles, les femmes. C'est un hôpital uniquement pour les femmes. Les femmes, vous voyez là, on les fait sortir et tout ce pour venir prendre un peu quelque chose qu'on avait amené pour eux. Donc, vous voyez, toutes les dames qui sortent là, ils ont des maladies mentaux. Donc, voilà. Et puis, voilà. Donc, la suite, c'est pour les lingala. Les gens qui parlent lingala, la vidéo est là pour vous écouter et tout. C'est simple. Et voilà, on s'attrape. À très bientôt. Merci beaucoup. Bye bye. Maman, bonne. Voilà, madame. Hein? C'est quoi, on a 17 000. Maman Judith a bongisi que a fouté mbongo wana pour bima na hôpital. Na yona mwana na pokwa olubini ni pona e. Olubini ni pona maman Judith. Ok, merci. Donc, baninga pe mususu, parmi bato babimi, yope ozana kacha bato wana. Hein? Parmi 5 wana, yope oza 5 personnes. Bobi mana mwana bozonga ndako, hein? Bokende koza traitement. Zamba pambola susu mwana, jidit azongi sa mingi epa yangwe uti. Hein? Siko nini susu yosa lopasi? Nali bumu. Siko yokinde eni? Je suis un peu plus de temps.
à Pambola, à Longsamiga, comme on en a. Comme moi, je suis un bon gars, maman, j'ai été là. Pour le bien, pour la bon, maman, j'ai été là, il y a mal au bord. Ah. Ah, ok. Bon, merci beaucoup. Hein.